Après l'extrait, tu sais l'extrait que j'avais mis de Samuel et Brigitte, Samuel qui disait j'ai reçu une tonne d'amour. Puis tu sais, je trouvais ça tellement. Une bombe atomique. Une bombe atomique. Si ma mémoire est bonne, une bombe atomique. Oui, c'est plus qu'une tonne, ça. Hein? Alors, ce que vous avez dit une après. Une mégatonne. Oui, oui, c'est ça. Regarde. C'est sûr qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont caressés sur le plan affectif, ça n'a pas de bon sens. Deuxièmement, le genre d'éducation qu'ils ont reçu, on ne le sait pas, là. Ouais. Mais par leur comportement, on peut soupçonner que ça ne volait pas haut. Ouais, mais moi, je trouvais ça le fun de vous les montrer parce que je trouvais que est-ce les deux semblaient... Est-ce que ce n'est pas général, Dr. Maillot, la jeunesse, justement, qui est en manque d'amour et qui est un peu perturbée dans la vie qu'on vit aujourd'hui? Écoute, tu n'as pas tout à fait tort. C'est que les mauvais parents sont majoritaires. Oui. Alors, c'est pas surprenant. Le Loft reflète à la société québécoise l'incompétence parentale de beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. OK, alors, c'est ce que vous avez dit la semaine dernière. C'est très clair. Oui, alors, on a les parents de Samuel avec nous, Edgar. Je dis Edgar, bien sûr, parce qu'on tait votre nom de famille, OK? Pas que la boîte vocale soit pleine. Alors, Edgar. Vas-y, pour peser. Non, non, pas du tout. Y aller comme ça. Moi, il y a quelque chose qui marche pas à soir aussi. Oui. Il y a 4 mecs comiques l'autre bord, mais il y en a juste 3 de comiques. Non, il va y aller, Non, mais par rapport à ce que Samuel disait, il disait qu'il avait reçu des bombes atomiques d'amour. Moi, ça me faisait plaisir d'entendre ça. Puis je trouve que c'est quelque chose de fun à entendre. Mais même quelque chose de fun à entendre, Dr. Maillot, il faut qu'il soit décapant. Là, vous parlez avec vos mains comme moi, là, puis on n'entend pas dans votre micro. Non, c'est correct, oui. Même quand il y a des choses agréables, le Dr. Maillot, il y a toujours des considérations décapantes. Puis je pense que c'est ça que les parents trouvent difficile. Moi, j'avais eu l'idée d'écrire un article sur les réactions des parents. Mais je me ravise. J'ai un conseil à donner aux parents. C'est qu'il ne faut pas prendre les commentaires du Doc Maillot au sérieux. Parce que Loft Story, moi, je considère que c'est comme une game de hockey. Puis, on voit les lofteurs qui patinent à droite, à gauche. Puis, ensuite, le coach présente les duos de bonne mise en échec, des buts. Mais ils ne savent pas non plus ce que le Doc Maillot dit. Puis, Doc Maillot, il est comme le commentateur de hockey, là, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est le Don Cherry de Loft Story. C'est ça, le Doc Maillot. C'est pas pire, ça. Puis moi, j'ai un conseil à donner aux parents. Il faut pas prendre ça au sérieux. Parce que toutes les il peut dire des affaires. Il peut avoir raison quand il parle. Il peut dire des bonnes choses. Mais ces interprétations, c'est jamais le résultat d'une démarche clinique fondée. C'est du popcorn pour le show. Puis ça marche. Puis prenez pas ça au sérieux, les parents. C'est pour le show. Mais on aurait, Diane puis moi, on a un défi à lui lancer. Ah? On aimerait ça pour que chaque remarque désobligeante que vous donnez, que vous en ayez une bonne. On vous lance ce défi-là. Oui, ça, c'est vrai. Puis, s'il n'est pas capable, on aurait peut-être quelque chose qui pourrait l'aider. Pour ce défi. On a pensé à quelque chose. Tu penses, on va y donner dessus. Okay. Bonjour, docteur. Mais, ça peut être difficile. Non, je vous écoute. Non, je t'écoute, là. Je t'écoute, c'est assez. OK. Continue. Je fais ma part, là. Votre micro. Bon, je sais que ça peut être difficile pour vous de dire des commentaires positifs quand vous parlez de nos lofteurs, puis quand vous parlez de leurs parents. Mais si c'est si difficile, on a une idée à vous donner. On a. On vous a acheté des petits personnages. On vous a acheté des beaux petits personnages. Ah, ça, c'est Mélanie, je oui, pense. Oui, ça, c'est Mélanie. Ah, ça peut être Brigitte. Puis ici, ça. Puis là, vous pouvez faire des petits jeux avec, là. Puis ils se parlent, puis tout ça. Puis quand. Puis là, là. Si vous voulez. S'il faut absolument dire quelque chose de désobligeant, on vous a acheté ça. C'est un bon maillet d'homme des cavernes. Puis vous pouvez taper mauvais parent,
Mal du pied, déficience, ça pourrait vous aider. René-Claude, oui. Je pense qu'il pourrait continuer à s'amuser avec. Il fait très bien ça. OK, on y va. Autre point, oui. Autre point. Oui. Je leur suggérerais d'écouter attentivement. Parce que ce sont des individus, je pense, qui n'écoutent pas. Je n'ai pas parlé de leur fils encore. C'est vrai que la semaine dernière, alors, c'était en général. Vous savez, vous allez devoir apprendre à votre âge à écouter quand quelqu'un parle. Vous êtes capable de vous exprimer très bien, mais vous n'écoutez pas. Alors, tout le monde est témoin, je n'ai jamais parlé de votre garçon. Non, mais non. Ce qui nous touche, ça nous touche autant ce que vous pouvez affirmer pour les autres que pour Samuel. C'est non, vrai que commencez vous par vous occuper de votre garçon, c'est déjà beaucoup. Je comprends votre grand cœur, là, mais occupez-vous de votre garçon. Peut-être parler à la maman de Brigitte, Louise. Ben, je pense que ça allait un petit peu dans le même sens aussi. Parce que Brigitte, je ne pense pas que vous avez parlé tellement d'elle non plus dans Loft. On l'a pas... bon, a été épargnée jusqu'à maintenant. Alors, vous trouviez peut-être que les choses étaient plus négatives que positives, dans le même sens que Edgar et Diane. J'allais dire votre deuxième nom. Disons qu'on met le chapeau s'il nous fait. OK. Puis, je voulais juste dire que le chapeau ne fait pas. Parce que j'ai... Oui. J'ai aimé Brigitte, Oui. Je l'ai nourrie logée, mais je l'ai aimée en plus. Oui. Alors ça, j'ai pris soin d'elle, je l'ai écoutée, je l'ai aidée quand elle avait des problèmes, je l'ai encouragée. Et je pense qu'il y a peut-être bien d'autres parents aussi qui font la même chose. Puis je veux ajouter que dans un milieu comme ça fermé, là, oui. C'est une petite société qui s'essaie de former, là. Ils n'ont pas le choix avec qui ils vont être. Puis en peu de semaines, en 9 semaines, il faut qu'ils s'habituent, puis ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils savent qu'probablement il n'y en rentrera pas d'autres pour changer la dynamique. Oui. Alors, c'est pas facile. Bon, c'est un peu comme dans un sous-marin. Je vois ça comme dans un sous-marin, moi. Oui. Ben non, pas tout à fait non. Un sous-marin, c'est pire que ça. C'est pire? J'aime beaucoup son commentaire. On met le chapeau s'il nous fait. Oui. OK? C'est un privilège que ce groupe-là a. C'est un privilège. Ils ont été choisis parmi plusieurs milliers. Et c'est un privilège aussi pour les parents de voir agir leurs enfants. Et madame vient de dire, si le chapeau nous fait, on le met. Parce qu'il y a des parents qui ont gaffé de façon monumentale avec leurs enfants, qui sont dans l'offre, et qui peut-être pourront s'attraper à temps. Alors, c'est un privilège, tout ça. Bon, et c'est quelque chose de positif. OK, c'est bien. On y va avec... Hein, c'est pas pire, si vous voulez dire autre chose, vous ne gênez pas non plus, parce qu'on va regarder les événements de la semaine qui ont marqué, qui nous ont marqué, et qui ont marqué aussi le Dr Mayou. C'est bon? Oui. C'est bon? OK. Oui. Alors, on y va tout de suite avec un couple cette semaine qui s'est comme défait sous nos yeux, qui est Julie et Nicolas. Plus que je bois, plus que j'ai le goût de sortir des affaires. C'est de plus en plus tough pour moi. Bien. J'espère que tu comprends. Mm-hmm. Correct. Qu'est-ce que j'ai les larmes aux yeux? Attends, il faut que j'aille aux toilettes. Non. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, Nicolas a eu des larmes, on les a pas vues, là, mais ouais. Il se passe quoi, là? C'est quoi son pas problème? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il se passe c'est ça, quoi? C'est bento? Qu'est-ce qui se passe, René-Claude? Quoi? Elle s'en va, on me connaît dessus. Oh! Chut, elle est restée. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit. c'est ça. Là, qu'est-ce que je fais, là? Intent encore. Ce qui est intéressant. Fait qu'il est prêt avec pendant X temps, oui. Sais-tu qu'est-ce qui m'a frappé le plus dans cette scène-là, et on le voit pas, là? Oui. C'est lorsqu'elle se lève debout, elle devient agitée, puis elle dit « Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? » Elle prend la responsabilité sur elle de ce qui vient de se passer, de l'état de l'autre. Et ça, c'est très indicatif. Quelqu'un qui écoute ça oui. peut se demander « Comment se fait-il qu'elle se blâme de l'état de l'autre? » Parce que l'état de Nicolas n'a rien à voir avec elle. Oui, il y a des choses qui se passent dans sa tête et en dedans de lui oui. qui sont indépendants. Et elle prend sur elle ça. Au lieu de lui laisser son état d'âme, peut-être prêter oreille, écouter, mais pas le prendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce mais que j'ai fait? Vous faites jamais ça, vous, quand quelqu'un prend mal dans vos commentaires, de dire
J'ai-tu dit quelque chose de déplacé? Non, oui, jamais. Non, ça. Non, ouais, mais... Oui. Mais vous, là. On va parler. C'est que la relation, oui. La relation est tellement jeune, ça vient tout juste de commencer, que ce n'est pas elle qui l'a mis dans cet état-là. Alors, tous ceux qui regardent ça disent non. Là, elle a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Et ça, c'est très féminin. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Oui, c'est vrai que c'est très féminin. Oui, beaucoup. On y va. Et ça reflète souvent des conflits vécus en enfance. C'est facile de faire le lien, en général, avec quelque chose qui est survenu avec une figure significative. Bon, ben alors moi aussi, j'ai eu plein de problèmes dans mon enfance. Alors, parce que j'ai réagi quand même. On y va tout de suite avec Mélanie et Hugues. S'il te plaît, Mel. Vas-tu me prendre comme je suis? Oui. Mais j'ai une vie bien différente d'ici. Je t'ai occupé, je t'ai parti. Je t'ai dit l'autre jour, c'est quoi ça me faisait? Laisse-moi réfléchir à ça, OK? S'il te plaît. C'est quoi, tu vas tout le temps rester tout seul dans ta vie, toi d'abord? Je sais pas. Je t'ai dit ça, oui. Réfléchis pas à ça, là, c'est mon problème. Je veux moi que tu vas. Arrête-toi ici, là. Oui, je suis ton homme, ça. Ici, oui, c'est toi. Pas en dehors. En dehors, je sais pas. Mais ici, oui. C'est juste toi que j'aime. OK, tu connais cette question. Love Story! Bon, là, Maryse, la sœur de Mélanie, c'est une laveuse sur sa chaise. Là. Elle grouille, elle se peut plus. Alors, je vous laisse aller, puis après ça, on y va avec Maryse, OK? Sais-tu, j'aurais envie de répondre par une question à Maryse. Oui. Et lui demander, Maryse, t'es ingénieur? Dans un party d'ingénieur, est-ce que tu amènerais Hugues avec toi? Oui, je l'amènerais. Pourquoi je ne l'amènerais pas avec moi? Oui. C'est pourquoi cette question-là? Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que... Est-ce que je peux? Ben oui, mais je comprends que tu peux. Mais il y a personne qui avait répondu. On peut encore parler, sinon, le maillet. Le docteur Maillot, il dit que ta sœur aurait honte de Hugues dans un party d'ingénieur, c'est ça? Ma sœur? Ben, oui. C'est pas qu'elle aurait honte de Hugues, mais... Ouais. Je pense pas que c'est son genre de gars, OK? C'est pas son genre de gars du tout, OK, à Hugues. C'est pour ça que je pense qu'elle dit que dans l'offre... C'est parce qu'il veut trop, là. Il est trop après elle, là. Il est trop... Il est comme tout de suite, OK, wow, laisse-moi le temps. Là. Dans l'offre, à date, t'es oui. Mais en dehors, on sait pas, il y a d'autres choses, il y a d'autres gars. On sait, t'sais, il veut trop, c'est pour ça. Mais je pense que ma soeur, oui, elle l'amènerait pas. Ma soeur l'amènerait pas, ce Hugues, dans un party d'ingénieur. Bon. Mais c'est parce qu'un party d'ingénieur, là, il y a pas... Comment ça se fait que tu l'amènerais, toi, si elle l'amènerait parce pas? Parce que ma soeur, puis moi, on est le jour et la nuit. Ma soeur, c'est quelque chose, puis moi, c'est quelque chose d'autre. On est carrément différent. Je pensais que, compte tenu qu'elles étaient jumelles, qu'elles avaient des goûts similaires. On n'est pas du tout la même chose, ma soeur. OK. Bon, OK, c'est bon, parce qu'on est différent. Mais ça répond à ma question. Moi, je l'amènerais. Mélanie ne l'amènerait pas. Non, jamais ma soeur amènerait Hugues dans un party d'ingénieur. Bon, alors ça répond. Moi, j'aime beaucoup ça, avoir ça comme ça. Ça me donne la puissance. Pas prisonnière, oui, ça n'est pas loin. OK, une autre question qu'on se fait poser souvent, est-ce qu'ils sont là? OK, est-ce qu'ils sont là? Elle aime ça, il y a pris goût. Non, non, mais est-ce qu'ils sont là pour l'argent? Là, tu vas comprendre les hommes. Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, OK. Alors, est-ce qu'ils sont là pour l'argent ou s'ils sont là pour l'amour? Moi, c'est ça que je voulais. La seule fois, c'était de dire, je l'ai fait, j'ai topé 2 mois. Ouais. Ah oui, moi aussi. Mais faut que tu aies une raison pour le faire. Ben, un, j'étais comme perdue. J'avais envie de connaître des nouvelles personnes. J'avais envie de... Ah, je le veux. Pour vrai? Ah. Ouais. Tu consentes là-dessus? Non, mais c'est la seule ici qui m'a avoué que c'est ça qu'elle voulait. Juste tellement pour travailler. Parce que j'avais peur en étant ici. OK, si je gagne, je vais l'avoir. Moi, j'aurais peut-être pu même faire 50 000 piastres dans un pack. Moi, je sais pas, mais ma vie, là, elle a tellement de up and down. J'ai juste tellement d'air. Pour moi, l'amour, ce n'est pas un jeu. Puis pour moi, l'amour, ce n'est pas un jeu. Les 50 000 piastres, justement. C'est comme j'ai dit dans les entrevues. J'aime mieux. Je ne veux pas, j'aime mieux trouver ici la mère de mes enfants que 50 000 $. 50 000 $, c'est bien beau, mais c'est vite dépensé. Tandis qu'une famille, c'est plus important que tout. Bon, alors l'amour ou l'argent, qui croire, là? Est-ce qu'on croit? Ben moi, je crois assez facilement Brigitte et Nicolas qui disent, garde nous autres, c'est clair, hein, sont oui, pour l'argent. Tant mieux qu'il l'ait dit à part de ça. Oui. C'est sûr que se sont inscrits pour ça. Hugues qui dit qu'il veut rencontrer la femme de sa vie. Hugues, il rencontre quoi? 400, 500 filles par jour d'habitude dans la vie. Là, on le place avec 6 filles puis il pense qu'il va trouver la mère de ses enfants. Hey, ça se peut!
Docteur Mayou, vous en pensez quoi? Hugues, là, c'est-tu vrai son affaire? C'est qu'on se souviendra de mes commentaires. Tu m'avais déjà posé la question au tout début. Quelles étaient les motivations derrière l'acceptation des lofteurs? Et j'avais mis comme premier point 50 000 $. Puis vous, vous iriez pour combien? Je vous avais posé à ce moment-là? J'irais. Bien, il vient pour 2500 $ par soir. Là, c'est... On l'a vu ce matin. Il y a le journal de Montréal ce matin. Oui, parce que dans le journal de Montréal d'aujourd'hui, on donne le salaire du docteur Mayou. Parce qu'on croyait que je venais ici pour une petite fortune. Oui, c'est ça. Alors, autrement dit, qu'on me payait pour tenir certains propos, non. Vous venez pour des peanuts, 2500 par soir. C'est-à-dire, des peanuts, c'est à peu près la même chose qu'une expertise me rapporte. Alors, c'est pas exceptionnel. C'est bon. Le fait que Brigitte, ben, toi qui te dis directement que tu l'avais dit avant de sortir. Oui, mais il m'en avait parlé à l'école. Il m'avait dit, tu sais, je vais pour l'argent. Puis si ça donne qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup, bien, ça sera un plus. Puis, ben, je pensais que c'était ça qui était arrivé avec Julie. Puis, comme tout le monde, là, j'ai hâte de... S'il sort aujourd'hui, j'ai hâte de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Bien, nous autres aussi, on veut le savoir à quel nous. Mais ça nous a étonné, par contre, Brigitte, ça m'a vraiment étonné d'entendre ça d'elle, de dire clairement, moi, là, c'est l'argent que je veux, là, à la fin. Elle vous l'avait dit avant de partir? Bien, quand tu vois une offre comme ça, puis tu dis 50 000 $ bien, c'est un moteur. Oui. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de 50 000, elle aurait dit, ah, c'est un défi. Oui. Je vais y aller, mais elle aurait pensé, bien, pendant ce temps-là, je ne fais pas un sou, là. C'est ça. Pour vivre, là. Puis ce temps-là, c'est une perte, là. Oui. De temps, bien, de temps. C'est relatif, hein? Ils vivent des expériences. Bien, merci beaucoup. Alors, donc, on va y aller tout de suite avec les votes, parce que vous pouvez encore voter, évidemment, pour sauver Hugues ou Nicolas. Pour Hugues, vous faites le 1-900-273. Pour sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273. Vous pouvez aussi aller sur le site Internet de Loft Story et aussi téléphone cellulaire, messagerie texte. Le Loft 0, vous faites le 1 pour Hic et vous faites aussi le 2 pour sauver Nicolas. Alors, après la pause, on y va avec les moments inédits, ce qu'on ne vous a pas montré cette semaine, entre autres la preuve qu'ils ont fait le oula oula cette semaine dans le Loft. De voir les moments inédits de cette semaine. On va tout de suite aller au Loft parce qu'on a une petite surprise pour les filles. Alors, Marie-Laurence, garde le grand sourire jusqu'aux oreilles. Oui, tu peux aller au cellier, Marie-Laurence! Oui! Tu peux... Non, non, cours, c'est le temps à courir, là. OK, c'est bon. C'est bon, arrête! C'est pour les trois autres filles, Marie-Laurence. Des moments que je trouve absolument hallucinants dans l'offre. Et là, regarde, c'est là que tu vois... C'est Mélanie et Mathieu qui parlent dans le dos de Hugues, mais Hugues s'en rend compte. Mais il ne voit pas, il se voit pas à cause de l'angle de caméra. C'est hallucinant, regarde. Ouais. Pourquoi de mort? Quand t'es... Là, mais je savais pas si t'étais mal à cause de moi. Genre, il voulait savoir de moi, ça y est, c'est fini. C'est ça qu'on s'était dit, les filles. On a dit, on fuck toutes les couples de mecs quand on regarde le film. Tout ça va avec eux, tout le monde va avec nous. Pour vrai? Qui est fin, là? On était un peu peut-être trop. Moi, je t'avais dit, c'est vrai. Mais là, Marie-Laurence, quand je te gomme, non, c'est bien, que ça, c'est bien, que ça. Tu n'as pas dit ça. Non, non, je peux dire. C'est pas comme des fois, il me regarde avec ses grands-mères, puis ses grandes déclarations, puis je me sens mal. Ouais, j'ai dit, je me sens pas bien. Oui, je l'apprécie tout, mais je sais pas si ça a pas l'air d'être la même chose que je vis là. Je serais pas autant. Tiens, j'écoute ça.
Mais non, mais attendez, les gars, là, vous autres... En tout cas, là, je pense qu'il veut 50 000. Oui, parce que la mère de ses enfants... La mère de ses enfants, là, il n'y avait plus. Non. Non, mais vous venez de finir le tournage de Trois fois rien, qui commence en janvier. Oui. Une scène de même, t'as mais quasiment pas. Oui. Tu dis que c'est un mauvais téléroman. Les gens vont dire, ça se peut pas. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai, Hugues, c'est un personnage. Ah, il est fort. C'est un personnage de télé. Mélanie n'est pas plus c'est un personnage? Oui. Ah, je pensais que c'était quelqu'un pour vrai. Ah, non. Non, il y a des cornes, t'as pas vu? Ah, oh, c'est une marionnette. Ah, je suis tout mêlée. Non, mais c'est incroyable. Ouais. T'as raison de dire qu'on ferait ça pour vrai, puis les gens, ils voudraient non, pas le croire. Ça se peut pas. Et les deux autres sont pas forts, hein, franchement. Non, les textes, il n'y avait pas eu le temps de les apprendre le matin. Ah, on le voit pas. On voit tout le monde, c'est grand de même. Quand tu me parles dans le dos, je te vois pas. Mais... Ah, non. Ah, cool. Là, on va y aller avec. En tout cas, moi, ce que je trouve les plus beaux amants du Loft, en tout cas, jusqu'à maintenant. Prenez l'autre, je relève le défi qui m'a été lancé tout à l'heure. Quel moment extraordinaire de sensualité. Oh. Bravo! Les acteurs n'ont qu'à bien se tenir. Oui, c'est fort, hein? Non, je regardais les deux futures grand-mères, là, puis il avait l'air à trouver ça. Que je la sens. Et puis, je vais voir des fois sur les vidéos de l'Internet, hein? Oui. Hein, des petits bouts, hein? Puis dans les parties, je suis là. Hein? Elle t'a pensé que... Ma fille, oui, je l'ai vue à un moment donné tendue avec Samuel. Puis elle a dit, puis ça, je vous garantis que c'est un message qu'elle m'a envoyé. Elle dit, j'ai des petits papillons. Oh, oui. Puis à chaque fois que ma fille est tombée amoureuse de quelqu'un, là, elle me disait, maman, j'ai des petits papillons. Elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Oh. Alors, je suis certaine que c'est vrai. C'est déchirant. Puis... Puis Samuel, là, c'est un petit peu son père. Son père, c'est un homme doux, c'est un homme qui est chaleureux, il est généreux. Alors, ça me surprend pas. Ça donne le goût de se lever et tout s'embrasser tout le monde. Je sais! Moi, j'aimerais le faire, je t'aime! Alors là, on aurait une affaire, la question que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir si... Si nos lofteurs ont fait l'amour dans le loft, OK? Vous savez qu'il y a quand même une règle d'éthique. Je vous avais parlé du code de l'évêché de Québec il y a deux semaines, à plusieurs reprises. C'était une blague, une mauvaise blague. Je savais même pas qu'il y avait un code de l'évêché de Québec. Alors, ça n'a rien à voir avec le code de l'évêché de Québec si on ne montre plus des gens qui s'embrassent. Mais bref, c'est arrivé. Bon. Voulez-vous le voir? Oui. Parce que c'est vrai que c'est comme le hockey, hein? Bon, on vous le dit pas. Attends, c'est ça, c'est le suspense. Ça, c'est comme le Canadien. Donc non plus, ils se comptent pas. C'est vraiment non, comme mais le hockey. Regarde, c'est arrivé. Regarde, je vous laisse regarder ça, OK? Ouais. Quand je regrette ma soirée, tu vois, ça va. Là, c'est toi qui lève, c'est le vent qui fait. C'est ça qui me fait choquer. Je m'en fous, dans le fond. Là. J'assume ce que j'ai fait, mais j'aurais aimé ça être toute là, mentalement. Je suis content que tu dises ça. Hein? Je suis content que tu le dises. Je suis tannée de ça. Je ne me reconnais pas. Je fais pas ça d'habitude.
Ça doit être parce que j'en ai un esti à défouler, là. Je sais, mais ils peuvent bien montrer ce qu'ils veulent, puis tu sais, ça va faire, ça va peut-être pas avoir l'air de ce que ça a l'air. Tu vois, tu sais, ils pognent un petit bout, puis ils rajoutent plein de petits bouts. C'est pas possible. Je vais vous montrer le gros truc. Ils n'ont pas d'affaire à montrer ça. Ah, il va avoir un corps en noir. Non, c'est pas ça que tu comprends. Parce que moi, là, j'ai peur dans les genoux puis que mes parents me regardent avec leur maudit air dessus de moi. Moi, ma mère, tout ce qu'elle avait dit, c'est eux. Mais toi, t'es un gars. Moi, elle avait dit, tu fasses de quoi avec une fille qui t'aide. Elle dit, cache-toi les fesses. Personne qui a rien vu par ça. Ils vont rien dire, mais ils vont me regarder avec un air comme on te l'avait dit. C'est vrai qu'ils me l'avaient dit. C'est ça qui me fâche. J'aurais peut-être. J'ai fait à ma tête. Bon. Juste vous dire, OK, c'est parce que nous, on l'a vu. Là, on se dit, on le montre-tu ou on le montre pas? Regarde, on le montre pas, la pauvre, elle est toute découragée. Elle veut pas que tes parents voient ça, elle veut pas que tes patrons voient ça. Puis, dans le fond, on n'a pas besoin de le montrer, non plus. Moi non plus, je veux pas voir bon, ça. Alors, vous verrez pas, mais vous avez la preuve. Mais ne manquez pas Sexy Cam sur les ondes de BTS. Juste une dernière fois, parce qu'après la pause, on va aller voir la parodie que Lucam a faite de nous. Un petit mot de Marcel, le papa de Mathieu, que vous vouliez dire au Doc Mailloux. Oui, bonsoir, 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 Docteur Mailloux. Le seul mot que je peux dire, parce que c'est sûr, vous n'avez rien dit contre mon enfant ou d'autres enfants. Oui. Sauf qu'on n'a pas suivi de cours pour être parent. On fait notre best. On essaye. Il n'y a pas de livre pour ça. S'ils sont comme ils sont, c'est peut-être un jeu d'aller là. Peut-être qu'ils ne sont pas comme ça dans la vie. À moi, je vous en veux pas, parce que je vous trouve super cool. Et je répète, les parents qui se rendent compte qu'ils ont peut-être fait des choses pas correctes, profitez-en, c'est une chance extraordinaire pour réparer vos bévues. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un monde parallèle quand même, là? C'est quand même pas la télé-réalité, mais c'est pas la vraie vie, ça. Oui, c'est la vraie vie. Ça, c'est un bon point, parce qu'il y a beaucoup de monde, qui doute de ça. Alors, je prends n'importe qui ici, je les amène dans un camp de pêche, deux semaines, la cinquième journée qui pleut, c'est Loft Story. Ce qui veut dire, c'est que l'inconscient ressort quand on est isolé comme ça, c'est ce qu'il veut dire. OK, regarde. Louis? Ouais. Tu réfléchis à ça? On va la pause? Oui, c'est OK, parfait. Non, mais, OK. Alors donc, pour voter, bien sûr, si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273. Pour sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273. Sur Internet, www.lovestory.ca et messagerie texte, le Loft 0, vous faites le 1, bien sûr, pour Hugues et le 2 pour Nicolas. Je remercie. Merci beaucoup, les parents, d'avoir été là. Vous pouvez toujours revenir. Vous pouvez parler quand vous voulez. OK? Nous, on se retrouve après la pause avec la parodie du Cam. À tout de suite, tout le monde. Merci. Rire de nous-mêmes. D'ailleurs, j'aime beaucoup Trois fois rien, mais j'aimais beaucoup les mecs comiques aussi dans le temps quand vous faisiez des parodies. Et oui, vous auriez dommage. Fait une parodie de Loft Story si vous aviez été là. Assurément. Puis à chaque semaine, vous seriez revenu là-dessus. Alors, c'est ce que les étudiants de l'UQAM ont fait pour se moquer gentiment de nous. On regarde ce que ça a donné. Cinq gars. David. Godet. Jérôme. Mathieu, Rico, cinq filles, Beauceron, Catherine, Chèvre, Marie-Justine, Véronique, quatre jours, dans un local mytho, Local Story, c'est vous qui subissez. Alors bonjour, plutôt rebonjour. Et merci d'avoir suivi la patente d'hier. Vous étiez plus de 11 personnes à faire en sorte qu'on fasse plus d'argent. David et Rico semblent avoir développé un frein qui semble insurmontable. Et David, particulièrement, est devenu de plus en plus possessif envers la belle Catherine. Et il s'est passé quelque chose, encore une fois, hier, dans le local. Mais je ne vous en dirai pas plus. Local story, local story. C'est l'insomnie, sommeil quand
penser. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de